Yo yo yo, c'est Laplon Junior pour les raids tuto épisode 4,5. Pourquoi épisode 4,5? Tout simplement parce que cet épisode, d'une part, il sera probablement plus exact d'ici quelques temps, et d'autre part, il concerne un mode en fait. Il concerne en fait le mode pour serveur Bucket qui permet de rajouter des plugins, donc en gros des mods côté serveur, ce qui évite au besoin pour les joueurs de télécharger eux-mêmes les mods, donc ça permet beaucoup de choses, comme par exemple Locket, hein. D'ailleurs je crois que tous les serveurs, tous les gros serveurs sur lesquels on va tournent sous Bucket, et en fait c'est une version de serveur Minecraft qui est modifiée à chaque version afin de supporter les nouveaux ajouts. Et il y a un problème dans la physique qui ne correspond pas entre la physique Vanilla et la physique Bucket, qui est très très énervant, vous allez le voir. Donc, lorsque j'envoie une commande, comme par ici, envoyer test à tous les joueurs aux alentours, le comparateur va mettre un courant suivant le nombre de personnes qui vont le recevoir. Ici, si je le reçois, il met une puissance de 1. Si je l'envoie d'assez loin, il ne me reçoit plus, du coup, il met 0. Et ça peut être d'autres choses, ça peut être la. Mais ça va tester également le fait qu'une commande soit tapée correctement. Donc, si jamais. Imaginons que j'ajoute un. Que je crée un objectif qui s'appelle vrai. D'accord? Et qu'il n'y ait pas d'adjectif qui s'appelle d'objectif qui s'appelle faux. Dans ce cas, la commande qui rajoute des points sur l'objectif vrai sera une commande exacte, tandis que celle qui augmente sur la commande faux sera erronée. Peu importe qu'il y ait un joueur à proximité. Donc, je vais cliquer bien loin afin de resetter les commandes blocs. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont à 0. J'envoie, donc je suis à proximité de la commande. Je clique, il me met 1. Ici, j'envoie, la commande est erronée. Aucun objectif n'a été trouvé par le nom faux. Tandis que le joueur d'Aplomb Junior, son score vrai a été ajouté. En fait, si jamais. Donc, je le tape moi-même. Donc, l'un, là, il me donne une commande, une réponse en blanc. L'autre, il me donne une réponse en rouge. Et pour le message, là, c'est un cap un petit peu particulier parce que je ne peux pas envoyer un message à moi-même. Mais bon, la console sait me l'envoyer de manière tout à fait normale. Donc, ça peut permettre de tester plein de trucs. Comme par exemple, le fait qu'on ait un objet. Hein. Donc, là, je clique. Il est censé effacer les end portal frames, donc les cadres de portail pour aller dans l'end. Donc là, je vais emporter. Il va retirer. Donc la commande va fonctionner parce que j'ai l'objet. Donc il a retiré l'inventaire. Et il a mis une puissance de 1. Et quand je renvoie, bah là, je n'ai plus d'item. Il ne s'est plus retiré l'objet. Et donc, il me met 0. C'est la même chose par exemple pour les effets de potion. Donc si jamais je me donne un effet de vitesse. Voilà, hein, donc vous le voyez. Si je prends cette commande qui donc met l'effet de vitesse, donc l'effet de vitesse ID1, un temps de 0, il va me retirer l'effet. Donc si je me mets à proximité et que je clique, je perds l'effet. Et il me met, donc il indique que la commande a marché. Et il va mettre une puissance de 1. Si je recommence, je n'ai plus l'effet. La puissance retombe à 0. D'accord, un petit fail. Ce qui veut dire que ça permet de détecter le fait qu'on possède un effet de potion ou qu'on possède un objet en main. Le problème, c'est que sur Bucket, ça marche pas du tout comme ça, en fait. C'est pas l'effet de la commande qu'il teste, c'est en fait juste s'il y a un joueur à proximité. Du coup, ça va complètement... ça démolit donc certains systèmes qui sont faits en vanilla, hein, donc la détection des effets de potion. J'ai réussi à trouver une petite astuce pour détecter des potions, hein, comme thème de potion wifi qui fonctionne sur Bucket. Les détecteurs d'items. Donc, ce que je vais faire, on va mémoriser les 5 commandes qui sont ici. Je vais les refaire sur le serveur Craftech où je suis modérateur. Je vais voir si j'ai le droit, à propos de la nuit, à propos des modos, de faire une petite vidéo là-dessus afin que vous puissiez voir la différence entre un serveur, enfin, serveur, là je suis en solo, mais bon, point de vue technique, c'est un serveur. Donc, un monde vanilla et un serveur qui tourne avec l'API Bucket. Ça n'a simplement aucun sens. Ce bug, je l'ai vu sur leur site, sur leur système pour le bug tracker. Et le bug a bel et bien été signalé. Il n'a toujours pas été corrigé. Donc, au moment où je fais cette vidéo, Bucket est en 1.6.4. La 1.7 est un peu dur à modder. Ça fait un mois que la 1.7 est sortie, c'est pas à jour. Donc, je vais essayer de voir si je peux tourner sur un serveur Bucket 1.6.4 pour vous montrer les effets de ce bug qui sont un petit peu ennuyants. On se revoit tout de suite après. Enfin, j'espère. Bon bah finalement 2 semaines et des fêtes de fin d'année plus tard, on fait enfin la deuxième partie avec Rémi Bert. Salut.
et déchirure de tête. Bonjour. Non. Donc, je pense que vous reconnaissez les 5 commandes de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, il y a 3 semaines pour moi. Ah, j'avais fait une faute de frappe en plus, j'avais même pas remarqué. Voilà. Et, oh, désolé, aléa du direct. Ah, non, je suis pas en direct, on s'en fiche. Donc, nous sommes sur un serveur. Donc, on n'est plus sur Bucket 1.6.4, on est sur une version modifiée de Bucket Spigot 1.7.2-R0.3 Snapshot. Oui, parce qu'avant l'enregistrement, Rémi m'a saoulé pour que je dise Snapshot, donc voilà, je dis Snapshot. Et j'ai trouvé le bug sur le Bucket Bug Tracker. Il s'agit du bug appelé Bucket 4026. Vu que Spigot est une version modifiée de... Et, je vous signale que j'ai activé le... le social spy, du coup j'ai vu toutes vos commandes. Donc sur le bug tracker, vous tapez bucket 4026, vous tombez sur le bug, les comparateurs fonctionnent mal, donc il a été déclaré, il n'est pas corrigé. Et vu que Spigot est une version modifiée de bucket, ben Spigot hérite de ce bug qui empêche les maps aventures de fonctionner sur bucket. Vous avez compris, c'est à cause de ça que lorsque vous téléchargez une map aventure, il est noté merci de ne pas démarrer sur bucket, sinon votre système ne fonctionnera pas. Et voilà, il vient de couper le social spy, bon on s'en fiche. Donc on est en tête du serveur CraftTech, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et nous avons les mêmes commandes. Donc pour le message test, venez tester, venez tester, venez tester. Il n'y a absolument aucun problème vu que bon bah je suis à proximité et la commande fonctionne. Et si on s'éloigne, et on verra pas parce qu'il y a Deschi et Rémi qui sont à côté, la commande marche plus. Au niveau des objectifs, ça devient un peu plus compliqué. Donc pour les objectifs qui fonctionnent, ça marche nickel. Mais pour les objectifs qui n'existent pas, bah là, bah vous voyez, ça marche, ça s'allume, alors que ça devrait pas. Donc déjà, il y a déjà un petit problème par rapport au Vanilla. Mais bon, soyons un peu logiques, d'un point de vue, vos commandes seront des objectifs qui marchent, c'est pas trop grave. Pour le clear et le stash effect, je crois que Rémi s'en souvient, non? Il n'y a pas eu un problème avec ça sur le serveur une fois. Ça fonctionne pas du tout. L'effect 0 et le clear, ils permettent de détecter si un joueur a un objet ou un effet. Et ça fait exprès? Bah ça. Le effect 0 c'est fait exprès par le créateur du jeu. J'en pour faire tous les effets c'est clear, mais là le 0 il a été conçu pour supprimer l'effet, oui. Et là, peu importe que vous ayez ou non le bloc, du moment que vous êtes. C'est pas la bonne commande. Du moment que vous êtes à proximité, le système va complètement s'en ficher et va couper votre. Et va continuer à allumer. On n'a pas l'objet et le commande bloc il s'en fiche, on est là, donc il allume. Et même chose pour cette potion de vitesse. Quand on vous avez l'effet, enfin il vous le vire, il allume. Vous êtes à côté, vous n'avez plus l'effet, il vous allume quand même. C'est complètement n'importe quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui a une petite idée du problème, de la règle à respecter, ça m'arrangerait. Moi je pense que la commande, la règle ce serait la commande et le comparateur teste la présence d'un joueur et non pas la réussite de la commande. Vous en pensez quoi? Je sais pas, mais pas un problème d'erreur, non? Bah ouais, parce que... Il enlève quoi qu'il arrive, même si on l'a pas. Bah oui, parce que moi... Attends, je vais faire un test. Normalement, il va me le mettre en blanc. Bah oui, il me dit 0 blocs ont été supprimés de l'inventaire. Il me dit que la commande marche, même ouais, si la commande est ratée. D'ailleurs... En plus, ça, il y a essentiel. Ouais. Hein. On n'a jamais testé sans essentiel. D'ailleurs, au niveau des... est-ce qu'on a... Tiens, ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a... On n'a jamais testé sans essentiel. Bah sinon c'est un problème de bucket, hein. Ça a été indiqué sur leur sur le bug tracker. Et en fait je crois que j'ai oublié d'ajouter l'objectif. Add vrai. Oui j'avais oublié de l'ajouter. Et vous voyez que il ne vous sort pas d'output non plus au niveau du command block, mais bon. C'est une snapshot pour 1.7. Le serveur n'est pas encore stable pour 1.7.2, donc c'est un petit peu normal. Hein. On termine la vidéo là parce que je crois que je suis déjà à 10 minutes en fait. Et le clear? Le clear, bah regarde, prends un objet dans le coffre, peu importe que tu aies l'objet ou pas, il va te dire vrai. Suffit que tu sois à portée de l'effet et il va te mettre... si t'es à portée, il te fait... En fait, cette commande, c'est un test fort qui te tire l'effet. Et du coup, ça pète les maps parce qu'en gros, si vous voulez un test fort et suppression de l'effet, bah vous faites deux commandes blocs séparées. Hein. Là, vous pouvez pas tester si le... si y a un joueur à proximité. Là, Rémibert est à portée, ça s'allume. Rémibert l'est plus, ça s'éteint. Ah bah, il est encore à portée, bon, on s'en fiche. Donc on va peut-être finir la vidéo là parce que moi j'ai déjà tourné une partie de 5 minutes et j'ai une limite de 15 minutes donc si on fait plus de 10 minutes ici je vais devoir couper. Et j'aime pas couper. D'accord.
Donc c'est la première vidéo que je fais avec mon nouveau micro. J'espère que ça va bien passer. On m'envoie un message sur TeamSpeak. Je regarderai après et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et oui, ma chaîne reprend du service après les fêtes de fin d'année. Bye bye.